Coucou Meloulou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour ce week-end, 27 et 28 février. Oui, février. J'espère ne pas me tromper. On a bien vu qu'hier, je m'étais complètement plantée. En plus, la meuf était archi fière d'elle. Tu peux sortir du champ, s'il te plaît? La meuf était très fière d'elle. Désolée, hein, je ne maltraite pas mon fils. C'est juste que je ne veux pas qu'il soit sur Internet. Voilà. Ouais, donc hier, je me suis complètement plantée sur la date. Et j'étais archi fière. Donc bon. Voilà, c'est pas grave. Désolée pour ça. Quoi qu'il en soit, on va voir quelle est l'énergie principale pour ce week-end des 27 et 28 février 2021. Le cercle de fées, il est sorti hein, dans une autre guidance, dans un taroscope, il me semble. Le cercle de fées, là, on est en train de te dire que tu es entouré, d'accord? Et que tu es entouré de personnes certainement assez magiques, au sens propre comme au sens figuré. Quoi qu'il en soit, on te demande en gros de te sociabiliser, de vraiment faire attention à ton entourage, aux gens qui sont vraiment autour de toi. Voilà, peut-être faire des activités, peut-être passer les voir juste pour boire un verre, trucs comme ça. Après, ce que je ressens, c'est qu'on te dit aussi que tu es entouré d'une autre manière. Tu vois, tu es entouré, il y a les guides, etc., etc. Donc, n'hésite pas à en prendre conscience au maximum et à faire attention aux signes. Voilà. Désolée, je suis un peu calme aujourd'hui. C'est parce que là, en vrai, j'ai une grosse migraine. Donc, bon, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Quoi qu'il en soit, il y a des taroscopes qui sortent encore. J'en ai programmé certains et je suis en train de finaliser les montages des autres. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui ont déjà eu leur taroscope, que vous appréciez. Ah oui, je voulais dire merci aussi. Oh, tu vois, je manque à tous mes devoirs. Ça y est, la meuf, elle a mal au crâne. Il n'y a plus de Vanessa. Merci, 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 merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Ça me fait super plaisir. Voilà. Allez, on va voir du coup directement pour le tirage, a priori. Pour ce week-end des 27 et 28 février. À quelle sauce on va être mangé? Verdict. Il y a une prise de décision, a priori, hein, qui va être faite là. Prise de décision. Prise de décision. J'entends à propos du couple, pour certains. Il y a de l'envie de déménager pour d'autres, hein, de l'envie de bouger, de se barrer, hein, de là où ils sont. Écoute, tu l'adaptes, tu verras. À la coupe, nous avons la famille et l'homme. Donc il y a clairement une question d'homme par rapport à ta famille. Ça peut être de femme aussi, parce que ce sont des guidances générales, tu le sais. Mais en tout cas, il y a une personne de ta famille particulièrement. Ah, je crois qu'il y en a qui vont présenter leur copain ou leur copine à leur famille. Donc c'est plutôt pas mal. Écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en fait, on voit vraiment cette personne comme une conquérante. Parce qu'en fait, il faut conquérir la famille, hein, clairement. Donc voilà. Mais en tout cas, tu vois, avec cette carte du cercle de fées et la carte de la famille, j'ai l'impression que ce week-end va être plutôt familial, plutôt, tu vois, dans de bonnes ambiances, des repas, des trucs comme ça. Ça peut être familial, amical, après tu l'adaptes à ta situation. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même une ambiance plutôt chaleureuse, en fait. Allez, pour ce week-end, 8 cartes. Enfin, 9 cartes. Une. Deux, je suis désolée de ne pas trop développer, mais là je vous avoue, j'ai un vrai, vrai, vrai mal de... Enfin, j'ai une migraine en fait. Voilà, j'espère que vous, ça va mieux en tout cas. Enfin, mieux que moi, quoi. Mieux que moi. Dernière. Ah non, oui, si, dernière. Et après, la carte complémentaire. Bon, ben voilà. Allez, on va voir. On va voir. La famille. La famille. Allez, première carte. Toi, consultant ou consultante. Là, on ne peut pas y couper. Les possibilités, le carrefour, hein. Le choix. La clairvoyance, l'intuition. L'échec. L'instabilité. La réunion. La santé, le temps, carte complémentaire, le voyage. D'accord? Donc, écoute, a priori, certains d'entre vous auront clairement une décision à prendre ce week-end par rapport à quelque chose. Je sens que pour certains, c'est par rapport peut-être à une formation, par rapport
à quelque chose dans l'ésotérisme, d'accord? Dans le spirituel, dans la santé, dans le bien-être, truc comme ça. En fait, avec cette carte du carrefour de la clairvoyance, et surtout clairvoyance et santé ensemble, bon, là j'ai envie de vous dire qu'il y a clairement de l'ésotérisme pour certains, et des médecines, soit douces, soit normales pour d'autres, d'accord? On voit que il y a une question d'échec ici, entre la clairvoyance et l'échec. Alors, peut-être que tu as cette sensation de ne pas réussir à faire ce que tu souhaites par rapport à ta clairvoyance, par rapport à tes capacités, et du coup, ça te donne cette sensation d'échec. Maintenant, tu vois, en dessous, on a quand même la carte du temps, donc on est en train de te dire que ce n'est qu'une question de temps. Il est possible aussi que certains d'entre vous aient fait une demande pour faire une formation, dans l'ésotérisme ou autre. Après, tu l'adaptes à ta situation, bien entendu. C'est sûr que là, l'ésotérisme ressort beaucoup, mais peut-être que tu as voulu faire une formation artistique et pour toi, c'est artistique, tu vois. Ce sont des guidances générales, donc tu fais comme d'habitude. Tu t'adaptes, tu adaptes ce que je dis à ce que tu fais. Voilà, en tout cas, il est possible que du coup, il y ait eu un refus, soit un refus par exemple d'être subventionné par rapport à ça, soit un refus, tu sais, de prendre des congés, etc. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, c'est une question de temps, hein. Et puis, tu vois, avec cette carte du voyage, on te dit que dans tous les cas, il y a quand même un nouveau départ ou un départ pour toi. Il est possible aussi que justement, le fait qu'on te refuse ça, ça t'entraîne. Attends, il y en a plusieurs. Ça t'entraîne à te barrer. Ok, il y en a trois. Alors, tu vois, là, on a encore cette histoire de la santé qui ressort, ok? On voit l'élévation, l'évolution, le soleil, la réussite, la signature. Donc, il est possible qu'à la base, ça ait été compliqué, que ça ait été un chemin assez long et fastidieux, mais que derrière, dans tous les cas, il y ait quelque chose de positif pour toi et quelque chose qui va durer sur le temps avec cette carte de la stagnation, de la stabilité. Donc voilà. Je vois qu'il est possible que par rapport à ton choix, justement, tu en discutes, hein, avec quelqu'un. Alors, ça peut être avec une hiérarchie, clairement. Ça peut aussi être avec des personnes de ta famille, parce qu'on a bien vu que dans l'énergie principale, il y avait quand même la famille qui ressortait beaucoup, la famille ou les amis. Mais en tout cas, on voit quand même une discussion assez importante par rapport à ce choix à faire, d'accord? Il est clair que le fait d'avoir, bah tu vois, le choix. Là, c'est la carte du choix. Donc, il est clair que le fait que ça ait pris du temps, ça t'a mis dans une espèce d'instabilité, dans... C'est pas un mal-être, mais on sent que voilà, ça t'a quand même bien miné. Mais ne t'inquiète pas parce que le changement a priori va arriver relativement rapidement. D'accord? Il y a aussi une question de départ ici entre cette carte du voyage et cette carte de l'avion. Là, il est possible que certains d'entre vous prennent la décision de partir assez loin. D'accord? On voit l'automne ici, donc peut-être que tu prévois de partir en automne ou peut-être que justement ton projet est reporté, repoussé à l'automne. Dans tous les cas, on te dit de prendre ton temps pour te bonifier en attendant, prendre ton temps pour peaufiner les choses que tu dois présenter s'il y en a. Et tu vois, là, dans tous les cas, on a la carte de l'élévation pour toi, hein. L'élévation notamment professionnelle ici. Donc, c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. C'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire avec... Oui. Ok. On a la communication qui sort, tu vois, et qui s'est mise pile sous la carte de la réunion. Donc bon, comme je te l'ai dit, il est possible que tu en discutes avec tes amis ou avec ta famille. Maintenant, il est possible que tu en discutes avec quelque chose de plus officiel, hein. Bon, là par contre, on a quand même le serpent. Le serpent, donc la communication qui risque de tergiverser, en fait. C'est surtout ça que je vois. Avec un homme, manifestement, pour la majorité d'entre vous. Bon, après ça peut être une femme. Ou ça peut être un homme... Je peux pas le dire trop fort parce qu'il y a mon fils à côté, il y a mon assistant. Mais tu vois, un homme pas très bien. Un homme qui va tenter de te mettre des bâtons dans les roues, là. Pour certains, je sens qu'il y a un homme qui va tenter de les rabaisser aussi. Notamment si tu es justement en repas de famille ou entre amis. Bon, entre amis, c'est un peu dommage. Mais tu sais, je sens de la condescendance, etc. Et du coup, tu risques de pas très bien le vivre. Et c'est peut-être pour ça aussi, cette sensation d'échec par rapport à ça. Tu vois, peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout dans la spiritualité ou dans ce que tu veux faire et qui, tu sais, va te prendre de haut un peu. Ah ouais, tu crois vraiment que c'est un truc bien pour toi? Tu crois vraiment que c'est quelque chose de bien? Non, mais c'est un monde de charlatans, enfin, tu vois.
Voilà, je sens que certains d'entre vous vont passer par là. Maintenant, il y a quand même la réconciliation qui sort ici, hein. Il y a des réconciliations qui vont se faire. En même temps, cette question de choix, c'était peut-être aussi pour une rupture, hein. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Voilà. Bon, là, mince, je ne l'ai pas montré, mais en tout cas, c'était la carte de l'introspection, la réflexion pile quand je te disais ça, tu vois. Pardon. C'est très pratique. L'introspection pile quand je te dis ça, donc je pense qu'il y en a qui réfléchissent quand même par rapport à leur couple ici, hein. Même si l'amour n'est pas sorti, c'est vraiment ce que je ressens. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Et d'où cette sensation d'échec et d'où justement le fait d'avoir le voyage derrière. Et tu vois, le questionnement qui mène à l'évolution. Donc, bon, bah, écoute, continue de te poser des questions et surtout essaie d'y répondre, hein. Essaie de te connecter à ton cœur. Essaie de te connecter à tes guides aussi. C'est peut-être pour ça que cette carte du cercle des fées est sortie, hein. On te dit, voilà, connecte-toi à nous pour que, pour qu'on puisse t'éclairer aussi, te guider. Tu vois, on a l'écoute ici. Et on a le H. Alors le H, tu l'adaptes à ce que tu. Voilà, au mot qui te vient. Moi, là, c'est l'harmonie qui me vient. Moi, c'est l'harmonie qui me vient. Donc, peut-être que l'écoute va t'apporter de l'harmonie, de la sérénité, de l'harmonie dans ta vie. C'est possible aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir? Parce que je suis en train de battre et. Non. Bon, ben voilà. Voilà, bon, ben écoute. C'est un tirage assez rapide cette fois-ci. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée. Moi, j'aime bien les tirages rapides, je vous avoue. Après, je suis désolée pour mon manque d'énergie, on va dire. Là, j'ai un truc là, c'est infernal. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Les retards n'arrivent pas pour rien, hein. Dites-vous bien que lorsqu'il y a un retard, il y a quelque chose à en tirer. Et alors, désolé, en fait, je vais dire nous savons, parce que là, en fait, je suis en train de te traduire ce que j'entends, comprends. Enfin, je ne sais pas comment te dire. Donc, je vais, en gros, je vais. Allez, je te donne. Nous savons que certains d'entre vous sont très tristes par rapport à des ruptures. Si vous remarquez bien, il y en a vraiment énormément en ce moment. Et ça n'est pas pour rien, c'est parce que les énergies changent et que vous aussi. Du coup, lorsque vous augmentez ou baissez votre taux vibratoire, vous n'êtes plus à la même fréquence que la personne avec laquelle vous êtes. Pour certains d'entre vous, vous n'avez tout simplement pas évolué de la même manière. Pas sur la même voie. Vous n'avez pas pris le même chemin. Il est donc plus juste pour vous et pour cette personne-là de vous séparer pour que vous puissiez trouver quelqu'un qui soit dans la même, qui aille dans la même direction que vous. Nous comprenons votre tristesse, bien que nous ne la comprenons pas. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que, en fait, je pense qu'eux n'ont pas d'émotion, tu vois. Donc, du coup, ils comprennent sans vraiment comprendre. Genre, en fait, c'est de la compassion quand ils disent qu'ils comprennent. En vrai, pour moi, c'est de la compassion, tu vois, mais. Tu sais, c'est. Ça va aller. Pardon. Donc nous comprenons votre tristesse. Mais dites-vous que c'est pour être bien plus heureux après. Nous savons que c'est difficile à comprendre pour vous. Mais tentez de nous entendre au maximum. Certains d'entre vous luttent pour rester là où ils sont. Alors qu'ils voient bien que tous les signes sont verts pour partir en fait. Et rouges pour rester. Bien entendu, c'est leur libre arbitre, mais plus ils vont attendre, plus les signes seront gros. Donc c'est à eux de voir s'ils veulent gagner du temps ou pas. Gagner du temps vous permet d'accéder plus rapidement au bonheur, hein. Mais c'est vous qui voyez. Bon. Mais écoute, on passe à la. Pourquoi je sens mon bras qui tire là? Ok, bon bah écoute, apparemment. Ah bon? Qu'est-ce que je dois sortir? Oui, ça, ok, bon. Apparemment, je dois te sortir une carte supplémentaire, donc on va voir. Ah, ok. Bon, on me dit que c'est celle-ci. Sans limite, tu n'as pas de limite, en fait. Tu es
Le magicien de ta vie. Tu es le magicien de ta vie et tu peux vraiment aller extrêmement loin. Mais ça dépend de toi. Donc voilà, hein. Écoute, moi je serai toi, je ferai une petite capture d'écran là et puis je garderai ça en fond d'écran. Voilà. Allez, on passe à la réponse angélique. N'hésite pas, tu poses une question, tu penses à un sujet et on va voir quelle réponse sort pour toi. Avant de terminer cette vidéo, du coup, pendant que je bats, tant qu'à faire, on va gagner du temps. Ah ben, non, pas besoin. Je l'ai retenu avec ma forte poitrine. C'est parfaitement ironique, hein, t'inquiète pas, j'ai bien conscience de la chose. Ok, pour ta question ou ton sujet, je ne sais pas. La réponse est très claire, c'est non. Donc voilà. Et j'entends pour certains pas encore. Bon, donc tu l'adaptes à ta situation. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore désolée pour le peu d'énergie que j'ai. Je te fais plein, 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 plein de bisous. Tu n'hésites pas si tu as besoin d'un nettoyage de mémoire karmique ou d'un tirage personnel. Tu as mon adresse en dessous, d'accord? Mon adresse mail. Tu m'envoies un mail, je te donne toutes les conditions. Tu me dis si c'est OK pour toi et puis voilà. Donc voilà. Et oui, c'est décidé, je vais faire un live, hein, bientôt. Donc je vous tiendrai informé. Je ferai peut-être un petit sondage comme d'habitude. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, de vraiment bien en profiter. Et puis, bah, n'hésitez pas à me raconter. Ok? Bisous, ciao.